Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment augmenter la mémoire de votre téléphone sans rien effacer dans le téléphone. Oui, ça arrive des fois que nous ne pouvons plus télécharger des applications, nous ne pouvons plus télécharger des vidéos parce qu'il n'y a plus d'espace dans notre téléphone. Oui, et ça nous dérange fort, mais on ne sait pas comment faire. On ne veut pas aussi effacer des vidéos. Oui, je vais vous montrer aujourd'hui comment vous allez faire. C'est aussi simple. Mais avant de commencer, je vais demander à ceux qui sont nouveaux d'aller s'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos que je vais encore faire. Ici, sur cette chaîne, nous montrons les astuces liées à l'utilisation d'un téléphone portable. Donc, si vous êtes prêts, générique. Donc, les amis, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous montrer premièrement quelque chose. Vous savez que les applications que nous téléchargeons, ces applications-là ont des caches qui permettent aux développeurs de savoir si l'application bug ou pas, si ça marche bien, pour pouvoir améliorer de mieux l'application. Donc, ces caches-là, ça prend beaucoup d'espace dans notre téléphone et nous, on ne sait pas. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez gérer ces problèmes-là. C'est aussi simple. Nous allons premièrement aller dans stock et paramètres. Nous allons partir dans où est-ce que je peux voir le stockage de mon téléphone. Ici, batterie maintenance appareil. Oui, vous allez voir. Je vais vous montrer stockage. Vous voyez? Dans mon stockage et mémoire interne, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai 64 Go dans mon téléphone, mais regardez, j'ai utilisé 50 Go. Donc ça fait 78% de utilisé sur mon téléphone, vous voyez. Donc j'ai utilisé 50 Go. Mais je veux plus que ça. Je veux encore beaucoup d'espace dans mon téléphone. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir. Je vais vous montrer, vous venez dans l'application téléphone. Ici, vous allez mettre étoile 10 99 00 et 10. La magie! On a encore produit. Ah! La magie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur lock 4. Vous voyez ici, deuxième position. Je vais vous montrer, c'est ça. Vous voyez ici, non? Donc, on va appuyer sur ça. Non, pourquoi ça sort? Merde. On va refaire. On va refaire. Regardez. Étoile 10 99 00 10. Encore la magie, vous voyez, non? Donc, on va aller sur lock 4. Oui, on appuie sur ça et la magie sera opérée. La magie sera opérée. Pipi, 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 pipi. On fait vite. Fait vite. Donc, ça efface les caches des applications. Tout ce qui donne les signaux aux développeurs, ça enlève tout ça. Vous voyez? Et ça ne va rien effacer dans votre téléphone. Vous voyez que c'est trop cool. Donc, après ça, nous allons devoir redémarrer le téléphone. Vous voyez? Donc, comme l'application que j'utilise, je ne peux pas redémarrer le téléphone après tout. Donc, je vais arrêter la vidéo ici et je vais vous revenir après redémarrage du téléphone. Donc vous allez attendre, on a dit wait, donc vous devez attendre jusqu'à ce que ça ne finisse, vous voyez. Mais comme je ne vais pas vous faire attendre, je vais attendre et je vais arrêter la vidéo ici, moi. Et une fois que ça finit, je vais redémarrer le téléphone et je vous reviens. Alors on se dit à très bientôt dans l'autre, dans la suite, vous voyez, non? Donc je viens de finir de redémarrer le téléphone, donc je vais repartir dans paramètres. Paramètres, nous allons aller ensemble, vous allez voir, il y aura des différences. Batterie, maintenant ça apparaît. Je vais dans le stockage. Ouf, il n'y a pas grande différence. Mais regardez, vous voyez, avant c'était 50-44 ou quelque chose. Maintenant c'est 50-31 parce que je l'ai fait à peine avant la vidéo, quoi, vous voyez. Donc c'est pour cela. Mais chez vous, comme vous l'avez jamais fait dans votre téléphone, ou peut-être que vous l'avez fait, ça fait un bon moment, vous le faites encore, vous allez voir, vous allez libérer d'espace.
C'est parce que depuis que vous avez installé les applications, moi je le fais à un tout moment, c'est pour cela, vous avez vu que les caches ne sont pas beaucoup, ce qui est parti n'est pas beaucoup. Chez vous, vous allez voir, chez les gens, vous allez voir que 3 gigas même vont partir, Oui, c'est normal, c'est parce que ça dépend du nombre d'applications que vous avez et ça dépend du nombre de fois que vous avez déjà fait ce, et vous avez déjà utilisé cette astuce-là, vous voyez. Donc, on se dit à très bientôt si vous avez aimé la vidéo. Allez liker. Et attendez-moi pour une nouvelle vidéo. Du boum!